poursuivons notre festival de réception de nos auteurs à GD Édition, Mag et TV. Celui que je reçois maintenant, il s'appelle Mathurin Golibi Irié. C'est bien cela? Bonjour, oui, c'est monsieur. Ça. C'est exact. Bonjour. Moi, j'ai un petit côté ce nouveau, du coup, Mathurin Golibi. Mathurin, ça va, mais Golibi Irié, ouais. Ça me dérange un ce tout matin, petit peu. Ce matin, c'est une chance pour vous, alors? Non, ça me dérange plutôt. Parce que mon nom est porteur de bonheur et de chance. Oula! Alors, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir ici. Merci. Voilà, pour un petit échange. Merci. Et l'œuvre dont nous allons parler avec vous, c'est « La récréation est terminée ». La récréation est terminée. C'est ça. Voilà, c'est votre œuvre. On ne sait pas, c'est votre quatrième œuvre déjà. La récréation est terminée. Je ne sais pas, mais actuellement j'ai 15 ouvrages. Vous avez 15 livres. Wow. Je ne sais pas, 15e, peut-être 10e. D'accord. D'accord, mais c'est La récréation est terminée qui est parue aux éditions GD Édition. GD Édition, étudiant en classe de seconde. Étudiant en classe de seconde. Oui. D'accord. Et vous êtes à votre 15e œuvre, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. N'est-ce pas? D'accord, on va simplement parler de cette petite œuvre, La récréation est terminée. Pourquoi ce titre déjà? Mais pourquoi ce titre? Parce qu'il est maintenant l'heure pour les Africains, surtout pour les jeunes filles, oui, de se mettre au travail. Mm-hmm. L'Afrique a trop dansé, l'Afrique a trop chanté. Oui. L'heure qui est arrivée maintenant, c'est l'heure de se mettre au travail pour que nous soyons à égale puissance, à égale valeur par rapport à l'Occident. Donc la récréation est terminée. La récréation est terminée. Et vous avez plusieurs fois participé aussi là. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette 13e édition? Oh, c'est une belle édition. Oui. Bon, je suis venu ce matin, il y a beaucoup d'engouement. Oui. Je pense qu'il faut fêter quand même le livre. Parce que le livre est la base du développement d'une nation. Oui. Le livre même est à la base du développement personnel d'un individu. Donc il est encore important de fêter le livre. Fêter le livre, c'est s'élever soi-même. Donc, c'est une bonne occasion. J'en suis très heureux. Mm-hmm. Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de La récréation est terminée? Oh, je ne vais pas tout dire. La récréation est terminée. Un petit résumé oui, pour oui. Il s'agit d'une jeune fille, oui, orpheline de père. Elle s'appelle Gaëli. Gaëli. Oh, oui, ça mm-hmm. veut dire, c'est un nom futuriste. D'accord. Ça veut dire, vous me verrez plus tard. Voilà, élevée par sa mère. D'accord. Et elle a été orientée en classe de seconde, mm-hmm, dans une ville très dangereuse. Très dangereuse. Très dangereuse. Mm-hmm. Parce que là-bas règne la fornication, la paillardise, mm-hmm, le vol, le brigandage. Et donc des jeunes filles. Les vices. Voilà, tous les vices. Mm-hmm. Les jeunes filles qui y sont orientées, mm-hmm, subissent, j'allais dire, les vices de la société. Oui. Et Kaeli a tenu. Elle a tenu parce qu'elle intègre. Elle a été chassée de cour en cour, oui, de maison en maison, mm-hmm, même à l'école. Son intégrité lui a valu l'ostracisme, le rejet des autres. Elle a tenu jusqu'à ce qu'elle arrive à ses fins. Donc, c'est ça un me livre. Rappelle une personne. C'est qui ça? Je vais garder le secret. Ok, merci. D'accord, et donc Gaëli est... Un modèle à suivre. Enseigner, un modèle à suivre. D'accord. Et donc, nous avons enseigné cela aux élèves. Mm-hmm. J'avais écrit auparavant un livre qu'on appelle La lycéenne. La lycéenne. Et voilà. Et la lycéenne a été la mauvaise version d'une lycéenne. Oui. Et Kaeli est donc la version corrigée, oui, d'une lycéenne. Mm-hmm. La version corrigée d'une lycéenne. Voilà. En tout cas, une très belle œuvre. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Oui. Et un bel exemple pour la jeunesse. Merci. Parce que la récréation est terminée, il est temps que nous nous mettions au travail. Maintenant au travail, c'est ça. Mm-hmm. D'accord, et parmi toutes ces œuvres, oui, vos 15 livres, oui, est-ce qu'on peut savoir lequel vous avez le plus vendu à ce Sina 13? Bon, dans le temps, j'ai beaucoup vendu. Cette année. Pour cette année, non. Mes éditeurs ne sont pas venus. Les D'accord. autres ne sont pas venus ici. Les autres ne sont pas venus. Voilà, il y a... On les va autres... les inviter pour voilà, le prochain Sila. Ils ne sont pas venus. Uh-huh. Et c'est peut-être la récréation est terminée. Uh-huh. Ce heureusement matin, que Gilles Édition est là. Voilà, Gilles Édition est là. Uh-huh. J'étais à la maison quand on m'a appelé. Uh-huh. J'ai trois ou quatre maisons qui ne sont pas venues uh-huh. ici au Sila. Uh-huh. Mais depuis que je suis venu, j'ai vendu quand même une bonne quinzaine. Oui, et puis
des personnes, il y a des élèves, des jeunes filles qui ont reconnu Mathurin Gonimbi-Irié à travers ses écrits. J'ai déjà deux œuvres qui sont étudiées en terminale et cette œuvre en seconde. C'est-à-dire que ces jeunes filles ont tellement aimé les œuvres qu'elles ont étudiées que quand elles ont vu M. Mathurin Gonimbi, waouh, c'était l'extase. Ça fait vraiment plaisir, merci, n'est-ce pas? Merci, oui. Oui, j'en ai été heureux. C'est mon milieu. Oui. J'ai fait cette année plus de 12 conférences et cafés littéraires dans la lycée et collège. Mmh. Et je suis très heureux quand les gens me rencontrent. Ils sont toujours heureux de me voir. Oui. Parce que mes livres... Mmh. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez un petit message à lancer à la population, aux jeunes? Aux jeunes, je voudrais dire que l'Afrique est beaucoup en retard. Oui. Et pour que l'Afrique prenne le chemin du développement, il faut d'abord le livre. D'accord. Il faut d'abord la culture. Il faut la connaissance, il faut le savoir. D'accord. Connaissance et savoir sont à la base du développement d'un pays. C'est la racine du développement. Alors je les invite à lire tous les livres et à se faire une idée du développement de notre nation. Car demain, l'Afrique s'élèvera, sortira de sa léthargie grâce aux livres que nous lirons. Donc je les invite à la lecture. L'Afrique sortira de sa léthargie grâce aux livres que nous lirons. Voilà. C'est une expression, une belle citation de Mathurin Gonimbi-Irié. J'ai vraiment pris plaisir à échanger avec lui, même si le petit côté gourou n'y était pas. Non, bon, mais franchement, peut-être que j'ai c'est vraiment ça qui pris vous plaisir. Met... Voilà, merci beaucoup. Le petit côté gourou n'était pas là. Le côté Senoufo, il était là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, allez, monsieur. Allez, porte-toi bien. Et je vous en prie. À nous revoir.